On s'est toujours battu pour la précocité de l'appareillage. Inutile d'appareiller des gens qui ont une très faible perte auditive. Par contre, à partir du moment où la perte auditive devient conséquente, il ne faut pas hésiter à se faire appareiller, même s'il n'y a pas tellement de retentissement au niveau de la compréhension. Les gens qui ont peu de moyens, qui ont ce qu'on appelle la CMU, la couverture maladie universelle, ne payent pas leur appareil. Ils ont à peu près un budget de 1 400 € pour être appareillés. Pour les gens qui sont en activité professionnelle, il faut savoir que la surdité est un handicap. Et donc elle est reconnue au niveau de la MDPH, de la Maison départementale de l'audition, et elle peut vous donner droit à un remboursement par votre employeur, enfin, par la GFIP en vérité, ou par votre administration de tutelle. Le premier frein qui vient, ce n'est pas tellement l'histoire du prix, c'est surtout le fait qu'ils sont en déni total de leur surdité et qu'ils refusent totalement la solution d'appareillage. La preuve en est que pour les gens dont je vous parle, les gens qui ont la CMU et qui ne payent pas du tout leurs appareils, le taux d'appareillage est encore inférieur aux personnes qui n'ont pas la CMU. Et pourtant, c'est gratuit. Donc ça prouve bien que le prix n'est pas un frein. Quand on est arrivé au stade de la facturation, on n'est qu'au début de notre relation avec le patient. On va le revoir, même après avoir fait tous les réglages, on va le revoir à peu près entre 2 et 4 fois par an. À chaque fois qu'il aura un doute déjà, et puis parce qu'il faut qu'on vérifie le bon fonctionnement de l'appareil, et puis qu'on vérifie aussi le fait qu'on valide finalement le fait qu'il entende bien. Les appareils auditifs aujourd'hui sont pratiquement toujours garantis 4 ans. Et la durée de vie d'un appareil oscille entre 5 ans et 7 ans à peu près. Hein, donc c'est un achat à long terme. Et c'est vrai que si vous prenez le prix de l'appareil auditif diminué par le nombre d'années, finalement vous trouvez un coût annuel ou un coût journalier qui est dérisoire.